Hello, we are in Sainte Croix. There is a snowstorm outside, and I have in my hand the Deep Space Tourbillon by Vianney Alter. Let's discuss with him about this watch and what inspired him. La Deep Space Tourbillon, c'est une montre qui a été conçue et fabriquée pour expliquer à d'autres entités intelligentes dans l'espace et dans l'univers la condition humaine. C'est cette vision que j'avais en fabriquant la montre, c'était de faire un appareil, un objet qui représente les quatre dimensions dans lesquelles on vit. Les trois dimensions physiques, qui sont la hauteur, la largeur et la longueur, et le temps qui s'écoule, qui permet l'existence de ces trois autres dimensions. J'ai voulu mettre quand même d'abord les trois dimensions en avant, c'est pour ça que la montre a été construite de façon très géométrique. Je les ai installés au centre de la montre. Et ces trois dimensions sont représentées par le tourbillon, qui est un élément technique qui tourne sur lui-même et qui peut démontrer une des directions et une des voies de la dimension. Mais à l'heure actuelle, on fabrique des tourbillons avec plusieurs axes de rotation. Et j'ai pensé qu'il était intelligent de construire un tourbillon à trois axes, avec trois axes différents dans les directions, pour exprimer justement ces trois différentes dimensions. Cette montre est apparue dans un moment où je pensais que j'arrêterais de faire de l'horlogerie, mais parce que finalement la traduction de mes idées passe par ça, passe par les montres, parce que je sais les faire, ou peut-être par les pendules ou autre. Donc, ce que j'avais envie de partager avec les autres, bah, je l'ai exprimé en refabriquant une montre. On a organisé depuis le début 2013 une mise en place d'une production, ce qui fait qu'à l'heure actuelle, on est en phase d'assemblage et on a commencé depuis la fin 2013 à livrer. On va continuer à produire la pièce telle qu'elle est dans sa forme pendant encore quelques mois, mais des variantes sur le design de fond du mouvement du cadran des aiguilles vont un petit peu évoluer, vont bouger en fonction de l'inspiration, des idées qu'on a eues et qu'on voudrait appliquer maintenant. C'est vrai que cette montre a permis, je ne dirais pas un sursaut de mon activité, mais a permis de continuer à l'exercer, cette activité. Si ça me permet de pouvoir financer une nouvelle inspiration, une nouvelle idée, ce sera un double succès.